Salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur CoinDozer. Alors je vais y aller, je faisais des petits réglages. Voilà, je vais vous montrer comment avoir les jetons illimités. Alors déjà, mon maximum de jetons, je crois que c'est 98. C'est assez long. Voilà, ça a fini de charger. Vous voyez pas vous, mais exactement ici là, ici, il y a marqué toutes les, c'est en anglais mais c'est ce que ça veut dire. Toutes les 4 minutes, on gagne un jeton quand on joue pas, et toutes les 20 secondes quand on joue. Alors voilà, mon maximum c'est 98. Là j'en ai 98 parce que j'ai tiré full bug. Alors faut que j'en utilise. Pas que ça tombe. Voilà. Mince. Et je quitte à 90. J'y retourne pour voir si j'ai toujours les 90. Oui, c'est bon, j'ai toujours 90. Alors je quitte. Il faut aller dans les réglages. Je précise, c'est sur un iPod Touch. Voilà. Je vais dans Général, date et heure, régler la date et l'heure. Vous mettez à peu près 10 heures avant. Là, ça va être une heure. Voilà, j'ai mis 10 heures avant. Vous quittez, vous retournez dans le jeu. Bon, il vous est parlé. Voilà. Le chargement est fini, vous avez vu, c'est toujours les 90, c'est marqué ici. Là, c'est normal. Vous faites continuer et vous quittez. Et vous remettez la vraie date. Je vais le faire. Bon, je me suis un peu avancé pour que la vidéo soit pas trop longue. Pour mon petit bug. Voilà, il était à peu près. Il était 1h, 1h23. Voilà, maintenant 24. Voilà, vous requittez. Retournez dans le jeu et vous verrez, j'ai mes 98 jetons. Je précise, il faut pas s'y dire maintenant, c'est un peu tard pour vous le dire, mais c'est pas grave. Voilà, ça fait le chargement et j'ai mes 98 jetons ici. Voilà. Là, ça se verrait mieux. Non, bon, c'est pas. Voilà, comment avoir les jetons illimités sur CoinDozer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit j'aime. Merci.